Les pluies de mousson incessantes ont causé une grande dévastation au Népal, entraînant une nouvelle tragédie dans le district de Chitwan, à 86 km au sud de Katmandou, où deux bus transportant plus de 50 personnes ont été emportés par un glissement de terrain dans une rivière. Les bus circulaient sur une grande route reliant la capitale au reste du pays. Les autorités ont indiqué qu'un troisième bus avait été frappé par un autre glissement de terrain sur la même route, entraînant la mort du chauffeur. Selon le ministère de l'Intérieur, des équipes de recherche et de sauvetage sont sur place à la recherche de survivants. Une équipe de plongeurs de l'armée népalaise a également été déployée. Au cours de la semaine dernière, le Népal a été confronté à des catastrophes liées à la mousson qui ont entraîné des pertes humaines et des perturbations fréquentes. Plusieurs autoroutes et routes ont été bloquées par des inondations et des glissements de terrain. Les autorités travaillent sans relâche pour rétablir la situation normale, mais sont confrontées à des difficultés croissantes en raison des pluies incessantes. Le relief du Népal et son vaste réseau fluvial le rendent très vulnérable aux catastrophes naturelles et aux effets du changement climatique. Les experts soulignent que le Népal a récemment dépassé les précédents records d'incidents catastrophiques, mettant l'accent sur la nécessité pour les dirigeants du pays de mettre en œuvre une approche proactive de la gestion des catastrophes.